Je trouve que l'utilisation du terme réconciliation par la communauté internationale est parfois, voire souvent, indécent. C'est un très beau mot, le mot réconciliation. Il faut bien réfléchir avant de l'utiliser, quand on parle des Balkans. Après les massacres, après les viols, après des maisons brûlées. Si on raisonne en termes de travail de réconciliation, est-ce que vraiment c'est un mot qui est juste? Je ne sais pas. En tout cas, travail de mémoire, confronter ces différentes mémoires, à faire en sorte que ces mémoires circulent les unes avec les autres, de mettre sur pied des œuvres. Alors ça peut être des œuvres artistiques, ça peut être des livres, ça peut être des films, mais ça peut être aussi des manuels scolaires, où on va donner aux jeunes générations une vision plurielle du conflit. Zajedno smo rasli, grade i ti, isto plavo. Welcome in Sarajevo, in European Jerusalem. Sanjali smo zde, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. We have four main religions: Orthodox, Islamic religion, Catholic religion, Jewish religion. And we are living here 500 years without any problem. Sarajevo. J'ai des images qui me reviennent en tête, projetées par la télé pendant la guerre. Je vois la grisaille, les HLM mitraillés et le froid. Mais ici, on retrouve toutes les traces de notre histoire européenne. Les empires romains, ottomans, austro-hongrois s'y sont succédés. Différentes religions, ethnies et nationalités y cohabitent depuis plusieurs centaines d'années. Mais c'est aussi une ville et une population marquées par la guerre. En 1914, l'assassinat de Franz Ferdinand sur le pont latin provoque la Première Guerre mondiale. Et puis, peu après, la Deuxième Guerre mondiale démarre. Quarante ans après, Sarajevo est au sommet de sa gloire. Les Jeux Olympiques, suivis par un boom touristique, font que l'économie fleurit, ainsi que les niveaux de vie des Yougoslaves. Mais, une décennie plus tard, Sarajevo connaît de nouveau la guerre. Et cette fois-ci, elle reste dans ses griffes tyranniques pendant 4 ans. Je ne croyais pas que la guerre va s'éclater en Bosnie-Herzégovine. On a dit chez nous à Sarajevo, peut-être en Bosnie, jamais à Sarajevo. Et quand il y avait la guerre, par exemple, en Croatie, je peux dire que c'était très loin, c'est pas loin. Mais la première attaque à Sarajevo, 5 avril 1992, ça fait un moment qu'on était étonné, comme les autres. Mais il y avait dans l'armée yougoslave qu'ils étaient dans les préparations de l'agression, la guerre en Bosnie-Herzégovine, d'abord en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Impossible de parler de la Yougoslavie sans parler de Tito. Initiateur du mouvement des non-alignés pendant la guerre froide, la Yougoslavie ne se trouve ni à l'est ni à l'ouest. En 1980, Tito meurt. Les voix nationalistes se réveillent autour d'un jeu de pouvoir politique qui dérive. Printemps 1992. La guerre arrive en Bosnie-Herzégovine. Une guerre, dite ethnique, que l'on cherche aujourd'hui encore à comprendre. Sarajevo reste assiégé pendant 4 ans, des années pendant lesquelles les atrocités de la guerre s'installent et paralysent la raison. Jovan Divjak est serbe et né à Belgrade. Il vit à Sarajevo depuis 45 ans. Avant la guerre, c'était une période, quand on dit le paradis sur la terre, c'est à cause de
tous les droits qu'avaient les enfants, les citoyens de Yougoslavie, de Bosnie-Herzégovine. Il n'y avait aucune différence entre les peuples, la religion, on avait les mêmes droits. Tous les enfants qui voulaient, on allait à l'école, avec grande éducation qui était aussi comme en Europe. La liberté de se passer d'un à l'autre côté, c'était formidable. Il n'y avait aucune différence entre Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo. Ce sont les villes où on a coopéré dans le sport, dans la culture. Militaire de carrière, il a servi dans l'armée yougoslave jusqu'en 1984. Ensuite, il a intégré la défense nationale de la province de Bosnie-Herzégovine de Yougoslavie. Il voit, sans y croire, la guerre arriver à Sarajevo. J'aime Sarajevo, j'habite Sarajevo. Et je peux dire, sûrement, je suis heureux, libre, indépendant et amoureux. Je suis très content de vivre, même avant la guerre, au temps de la guerre quand même, et même aujourd'hui. Sarajevo est encerclée. Autour d'elle, les armées de séparatistes nationalistes. La Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance. L'armée bosnienne, rassemblant initialement toutes les nationalités, ne représente, au fur et à mesure, quasiment plus que les Bosniaques. Mais le Serbe, Jovan Divjak, n'a jamais su quitter sa ville d'adoption. Notre ancien général est interpellé par l'ex-régime serbe de Milosevic pour crime de guerre. Il est désormais salué dans les rues de Sarajevo comme un héros. Quand on parle de ma profession, c'est 92-95. Je pense que je fais ce que je pouvais. Peu après notre rencontre, Divjak se fait arrêter en Autriche avec demande d'extradition pour la Serbie. Nous sommes encore loin de finir d'écrire l'histoire des Balkans. Sarajevo, c'est un fleur en Europe, il faut le soutenir. Il faut comment donner de l'eau, comment on peut dire ça? Arroser, voilà. Sarajevo est un fleur qui va arroser. Y a-t-il de bons souvenirs? Togetherness. Togetherness? Yes. In what way? In what way that all people, every people, without no matter of its religion or ethnicity, was together. We all had the same suffer. So it was togetherness. One of the words also is describing Sarajevo during war was innovation. I remember a lot of examples of the people who tried to innovate how to prepare the food without elementary things, how to make electricity, how to run, how to escape, etc. So innovation was something also one of the words very important during the war at Sarajevo. Also the freedom is the word very, very important, because that's something that was probably unified different kind of religion, different kind of ethnical group living in that time in Sarajevo, wish for the freedom and the normal life. I cannot say to you that every Serbian people who lives here that they want to kill us. No. The Serbian guy saved my life, you know, because as we are a child, we went to, like, you know, to play in the garden or stuff like that. But it was really risky because we could die. And Serbia guy saved my life. He said, "Nem, what the hell are you doing here? Come over here." And he grabbed me, and two, like, seconds after that, the sniper, you know, wanted to kill me, you know, to shoot me, I don't know, and he saved my life. Fratri u toku rata, ja mislim da je to jedan od pozitivnih odlika ili pozitivnih pokazatelja
želje fratara da žive s Bosnom ili da žive u Bosni. Znači, frati su pokušavali ostati na svim prostorima. I tamo gdje su bili sa Hrvatima, znači gdje su Hrvati bili kao većina, i tamo, kao što smo i u Sarajevu, gdje su Bošnjaci bili većina, ali također i tamo gdje su bili Srbi u Republici Srpskoj, su fratri ostali gotovo na svim mjestima. E sad, kako je se to uspjevalo? Ja mislim da smo probali sad koliko je to bilo moguće uspjeti ili koliko je se uspjelo, to je drugo pitanje, ali pokušavali smo prema svakom čovjeku nekako se postaviti kao da je on moj. Jer ne može se, ako se vjerski pogleda, zapravo ako se ljudski gleda, a pogotovo ako se krene vjerski gledat na ljude oko sebe, onda mi moramo gledat na sve ljude kao jednu zajednicu, sve ljude gledamo kao Božja stvorenja, sve ljude vidimo kao svoju braću, jer nas je sve stvorio isti nebeski Otac. Tako da, ja mislim da su fratri i kroz povijest, a fratri su došli u Bosnu 1291. godine prvi puta, i da su otad pokušavali negdje u tom pravcu organizirati svoj život, život zajednice. Znači, jednostavno, probati prema svakom čovjeku koji živi, probati u njemu vidjeti svog brata, bližnje kojeg ti je Bog dao da bude blizu tebe, bližnje kojeg ti je Bog dao da probaš dobrotu koju je Bog tebi dao u tebe, da je podijeliš drugom. Muyo et Sulio traversent en courant le pont de la Delvania quand un sniper ouvre le feu sur eux. Muyo se prend une balle qui lui coupe l'oreille. Pris de désespoir, il s'immobilise au milieu du pont et regarde au sol. Sulio lui hurle « Espèce d'abruti, trouve un abri, t'en as encore une d'oreille !» Et Muyo lui répond « Je m'en fous de l'oreille, ce que je cherche, c'est ce qu'il y avait derrière, ma clope !» Everything bad what happened to us, we know how to find that humoristic situation. Maybe it looks so morbid, but like when something happens to you, I mean bad, you of course you're depressive and stuff like that. After 2 hours, you make a joke of that, you know. We have some jokes about Muyo and Sulio, and I think the whole Balkan knows about Muyo and Sulio. Even when you go, I mean, in Macedonia or Serbia, they'll talk, oh, you know what Muyo's said to Sulio's and something like that. Cette ville porte en elle une sorte de magie, une allure difficile à décrire. Il est dit que si on boit l'eau de sa fontaine, on sera toujours conduit à retourner à Sarajevo. C'est peut-être pourquoi tous ces gens de différentes religions à travers notre histoire européenne y sont restés. We have Ramadan and I fasting the Ramadan. And some people should say, oh, you have to cover your hair, but that's not true. That's your right, personal right, if you want to cover your hair, or I don't know. I can not say that I am like praying every day 5 times, but during the Ramadan I do that. And sometimes when I have some hard exam, God forgive me, I pray to God, please God, let me pass, and stuff like that. I mean, normal. My religion identity for me is very important. Not in a way that I go around and scream, I am a Jew, I am a Jew. Not that way. This is my personal, and this is what I like. Outside, I am a citizen of Sarajevo with all my other friends, Muslim friends, Christian friends, or whatever. Nakon rata ja sam onda bio premješten u Bugojno, tamo sam bio župnik, bilo je još u toj 97. do 2003. bilo je tako relativno teško vrijeme, još je bilo miniranja kuća, ali glavni imam i ja smo probali naći nekakav zajednički jezik da se sastanemo barem 10 puta godišnje, Božić, Uskrs, Bajrami, neka lopte zajedno da poigramo, i malo je to bilo u početku možda čudno i njegovima, pod navodnicima, i mojima, pod navodnicima, da mi različiti i nacionalno i vjerski, da mi se družimo zajedno. I onda smo napravili jedan lijep turnir božićni gdje smo igrali vjerski službenici protiv političara, i to je
To je bila atrakcija u Bugojem. To je bilo prvi puta nakon rata da su zajedno bili u sportskoj dvorani, a bilo je preko 5000 ljudi i došlo da su zajedno navijali i Bošnjaci, Muslimani i Hrvati, Katolici za jednu istu ekipu, za vjerske službenike. I naravno i pobjedili smo, Bogu hvala. Very often we are actually collaborating with different ethnical religion groups also, asking them who are the people in needs that you know, that you meet, that we, for example, as a Caritas, we don't have possibility to meet them. So there are a lot of projects that we are, let's say, not implementing together, but we are collaborating together. So I will say that religion is something that can unite everything, everybody here in Bosnia Herzegovina, respecting our own religious and respecting religious of other people, other different group, can be something that really can unite the persons here in Bosnia Herzegovina. We are different. We believe in different ways, but it's something that can be not just united for ourselves, but I will say even this is something that is rich. For everybody of us, for this society. Normal for me to talk with everybody, to hang out with everybody, to come, I don't know, to traveling and say, okay, this is Bosnia and Herzegovina, and, you know, on one place to have a different religions, like we used to live, you know, here. We never had that situation that somebody looks that your religion, that who you are, your nationality. Why? I mean, that's your personal right. You choose to be what you want. And why should you care if I'm Orthodox or Jewish? That's, I mean, normal for me. Yes, we work together. But normally people can work together. Normal people can forget some things. Something happens. We can change that. But I passed the war. I survive. I think I could help some other people who make a war against somebody better than someone who didn't pass that. Mujo et sa femme Fata marchent dans les rues de Sarajevo. Fata marche quelques mètres devant Mujo quand Sulio apparaît. Hey Mujo, pourquoi tu laisses ta femme marcher devant toi? Tu sais pas que dans le Coran, il est dit que les femmes doivent se tenir en arrière de l'homme. Et Mujo lui répond, ah, tu sais Sulio, le Coran, il a été écrit avant l'invention des mines. Do you feel European? Yeah, of course. Of course. For example, Boston is in Europe, of course, and many wars started here exactly in Sarajevo. You have the Princip Bridge where started First World War, and like, I don't know, we feel European, so culturally first, because we are connected, all Balkans is connected to the Ottoman, of course, influence of culture, because they've been here for 500 years. So, of course, I feel European. Why not? Well, I had a lot of opportunity in last 12 years to visit in Europe, to go in different countries, to meet the people, to know the Caritas and other organization. And one of the things that I actually notice is that usually people are not, they didn't understand who they are. What is their own identity and what's supposed to be Catholic or Christian or Christians. Once when you are in everyday relationship with other people, you can, from my point of view, understand better your own religion, your own identity, and in that way is the only way, let's say, to meet each other, to discuss each other, and to make world or Europe better for ourselves. From my point of view, is something that still is missing in Europe, understand of different kind of religions and different kind of ethnical groups. Je suis au marché de Markalee qui a connu des terribles massacres pendant la guerre. Sarajevo porte encore ses blessures de la guerre bien visibles. La nostalgie de l'ex-Yougoslavie se réveille avec les souvenirs d'une société multiethnique. Les gens que nous avons rencontrés ont une conviction, même une vocation pour la coexistence, pour une société multireligieuse et pour une vie en paix.
Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine se bat avec une organisation et administration politique beaucoup trop complexes. Nous sommes en Europe, mais nous ne sommes pas encore dans l'Union européenne. Pourtant, nous sommes dans un pays et une région qui a tout à apprendre à la communauté européenne. Sarajevo est le témoin d'un cosmopolitisme. Elle relie notre passé, notre présent et notre futur, tout comme un pont entre toutes nos religions et nos identités européennes. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom, na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja.